Je viens de voir en consultation pour un bilan ostéopostural une personne récemment retraitée qui souffre depuis plusieurs mois de névralgie brachiale invalidante. Elle est suivie régulièrement depuis une vingtaine d'années pour des douleurs cervicales récurrentes, traitées de façon symptomatique par manipulation qui la soulageait à chaque fois, mais le mal revenait régulièrement à chaque stress, à chaque fatigue, son métier l'obligeant à travailler penché en permanence la tête en l'avant. Aujourd'hui, retraitée, elle décide de me consulter pour faire un bilan complet car son problème se fixe et s'aggrave et elle s'inquiète légitimement de son avenir santé. Avant de fixer un rendez-vous, je lui pose la question de savoir si elle a eu un accident grave de type coup de lapin, chute, choc ou accident quelconque, et si elle a des radios. La réponse est surprenante. Elle a bien eu un accident grave il y a 20 ans, mais elle n'a pas de radio. Selon le principe de précaution fondamentale s'appliquant notamment à la colonne cervicale, zone particulièrement délicate de l'axe vertébral, je lui explique que je ne peux pas faire de bilan sérieux sans radio vu son passé traumatique. Ces radios sont aussi importantes pour moi que le plan d'architecte pour un maçon ou d'un moteur pour un garagiste. Voilà pour commencer une radio normale. Et voici ce que j'ai découvert à la réception de ces radios. En 20 ans, la lésion initiale qui devait n'être qu'une simple entorse cervicale, par étirement brutal des ligaments vraisemblablement accompagnés de micro-déchirures musculaires et d'une brutale compression discale, a évolué. La lésion s'est installée dans le temps par une série de compensations et d'adaptations surchargeant le disque, dont vous voyez ici l'état de pincement extrême et le rétrécissement en trou des serrures de toute conjugaison où passe le nerf, ce qui explique la névralgie brachiale. Circonstance aggravante, Madame A a depuis son adolescence un flexum du genou droit suite à un traumatisme là encore insuffisamment traité. Ce flexum entraînant automatiquement des compensations d'ajustement jusqu'à l'occiput, aggravant la pression sur le cervical. Je ne vais pas entrer dans le détail du bilan ni du traitement que je vais proposer car la situation est améliorable, même à ce stade avancé, à condition de pratiquer à la fois simultanément une libération ostéopathique en douceur des muscles, fascias et articulations fossés, enraidis, bloqués, corriger la posture pour réharmoniser les courbures et en priorité la lordo-cervicale et pratiquer plusieurs fois par jour des exercices d'assouplissement et de remusculation progressive des zones atteintes. En conclusion, soyons sérieux pour tout ce qui touche la colonne vertébrale et plus encore la colonne cervicale. Une petite douleur vertébrale et encore plus une douleur cervicale qui revient périodiquement est le signe d'une lésion permanente, peut-être légère, peut-être bénie au début, mais qui, au fil du temps qui passe, des attitudes de travail incorrectes vont s'aggraver pour aboutir 20 ans, 30 ans ou 40 ans après, ou plus, à une destruction complète des cartilages, alors qu'une prévention active aurait pu l'éviter, ou du moins en minimiser les conséquences. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ce cas m'a incité à faire cette vidéo d'incitation à la prévention de l'arthrose cervicale, car les conséquences peuvent être redoutables lorsqu'elles n'est pas traité avec le sérieux nécessaire. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Vous pouvez la diffuser, la transmettre à tous ceux que vous connaissez qui ont eu des accidents. Ça va pouvoir les aider. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien soyez bienvenus sur ma chaîne et surtout, cliquez sur la petite clochette de notification pour être informé en priorité. Je vous le dis à très bientôt et prenez soin de vous.